Bonjour famille, comment vous allez? Moi, je commence à aller bien. Mais malheureusement, je suis triste aujourd'hui. Je suis vraiment, 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 vraiment peiné, outré, choqué, abasourdi. Je suis dépassé. Franchement, c'est pénible. En tout cas, je demande aux âmes sensibles de s'asténir, à regarder ce qui va suivre, parce que c'est fort. Cela se passe au Koweït, et il y a nos soeurs ivoiriennes, il y a nos frères ivoiriens, en tout cas, qui ont perdu la vie dedans et qui ont été vraiment aussi très 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 blessés. C'est choquant, mais je voudrais le partager pour alerter un peu l'opinion publique et alerter les familles des différentes personnes qui ont péri dans cette tragédie-là. Mon fils s'appelle Yohan. Il est son mère au fils, on dit plus au. Il est la mère de Yohan au fils que les baillots. Ma grand-sœur s'appelle Liliane. Les baillots. Ma grand-sœur s'appelle Liliane, elle a du gain. Ma grand-sœur s'appelle Estelle. Je suis la sœur de Gibril, faut balancer ça. Bon, lui, c'est parti, mamie, maintenant, oh, dormir, fait après au Koweït. Mamie. Il m'appelle mamie. Oui, allô, allô. Bonsoir, messieurs, dames, s'il vous plaît. Mofti. De grâce. Vous voyez cette vidéo-là? Voilà, ça se passe au Koweït ici. Voilà, plus précisément à Saoué, dans mon immeuble. Vous voyez? Voilà, l'immeuble a pris feu aujourd'hui. Donc, les filles qui aiment acheter, comment on appelle, qui aiment acheter les, comment on appelle, les ballots pour mettre ça, comment on appelle, dans les, comment on appelle là, dans les immeubles là. Vous voyez ce qui est arrivé? Vous voyez? Ça a gâté l'immeuble. On a eu des morts ici. On a eu des blessés à cause de ce genre de conneries que vous, comment on appelle, vous mettez dans l'immeuble là. Vous voyez ce qui est arrivé? Vous voyez ce qui est arrivé? Hein? Vous voyez la famille? À cause de vos conneries que vous déposez, vous partez, comment on appelle, acheter pour venir mettre, comment on appelle là, sur l'immeuble là. Vous avez vu ce qui est arrivé? Les gens dormaient. Vous voyez ce qui est arrivé? Les gens dormaient. Le coin a pris feu. Vous-même. Vous venez de voir ces images-là. C'est vraiment fort. Au passage, je souhaite une très bonne fête de Ramadan dans cette tristesse à tous les musulmans du monde entier. Et franchement, j'ai pas les mots. Je suis tellement choqué. Ça me fait tellement mal ce que je vois là que je ne peux qu'apporter mon soutien moral aux familles endeuillées et aux familles aux choses éplorées. Franchement, Yako, à Chantal, qui est une amie à moi, Yako à toutes ces personnes-là qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs dans cet incendie-là. Parce qu'en fait, les images que je vous avais vues là, je ne sais pas à la base ce qui a créé ça, mais c'est tout un immeuble qui a brûlé. Pendant la nuit, des personnes étaient en train de dormir et le feu les a emportés. Il y a d'autres qui sont rentrés dans le coma, il y a d'autres qui sont morts et il y a d'autres qui sont gravement blessés, comme vous avez pu le constater dans la vidéo avec la dame. Franchement, Yako à tout le monde. Yako, Yako, Yako. Partagez la vidéo pour alerter un peu l'opinion publique. Parce que pendant que des personnes comme le ministre, en parenthèse, de ce Didier Arafat là, joue les cons à Paris là-bas, à jouer les clowns, les idiots, il y a des personnes qui se battent pour envoyer un peu au pays, qui ont péri au Koweït. Moi j'ai mal. J'ai franchement mal. Je préfère m'arrêter là.